I'm Hulk Hogan, the greatest ruffler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour, bonsoir, mon nom est Jonathan Drapeau, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, je suis en co-animation avec mon ami d'enfance et mon ami de toujours, Benoît Laferrière, avec Nostradamus. Comment ça va, mon Ben? Ça va, numéro 1, je suis content de te retrouver une fois de plus. Ben oui, une fois de plus, crime, hein? C'est notre rendez-vous mensuel, hebdomadaire ou quotidien, tout dépendant de notre disponibilité, ah, puis de ce temps-ci, ça gaule en maudit, comme on dit. Hey, je suis content de te voir, Ben. Ben moi aussi, ouais, c'est mon numéro 1, c'est sûr. À WrestleMania qui arrive à grand pas. Yes, et puis on a su aussi que notre ami Rey Mysterio va être introduit au temple de la renommée de la WWF prochainement. Là, c'est ouais, vrai. C'est ça. Puis il y avait des rumeurs sur Great Muta aussi. Ça va se faire prochainement, probablement. Yes, d'ailleurs, on va avoir une émission prochainement sur The Great Muta là, qui risque d'être vraiment fort intéressant, honnêtement. Puis prochainement aussi, est-ce que tu veux nous dire qui on va interviewer bientôt, mon ami? Oui, dans quelques jours, nous allons interviewer la fille d'une légende. Eh bien, ce sera Kelly Slaughter, la fille du sergent Slaughter, mesdames et messieurs. Yes, et puis aujourd'hui, c'est rare qu'on fait ça. En fait, nous, le projet à la base, c'était vraiment plus de l'analyse, de lutte. On interviewait des légendes, tout ça. On ne s'est pas touché beaucoup au Québec. Là, non, pas vraiment. Non, ça vraiment. Donné. Mais pour la cause, écoutez, on a une émission spéciale sur quelque chose de vraiment intéressant. On a deux invités avec nous, puis ça va être vraiment cool. D'ailleurs, en parlant de la lutte québécoise, je ne sais pas si tu as su, mais en fin de semaine, il y a eu un méga gros show à Montréal. C'était la IWS contre la JCW. C'était ensanglanté. Une espèce d'invasion. Oui, oui, puis ça a brassé pas mal. Et puis, ça brasse beaucoup au Québec là, de ce temps-ci. Là, il y a des belles promotions là, qui ouvrent un peu partout au Québec. Et puis aussi dans les maritimes. Oui, dans les maritimes, bien sûr. Il y a un show qui s'en vient dans du Québec dans et des maritimes. Ben, on a deux personnes spéciales pour nous. Dans le fond, on a deux propriétaires. On a le propriétaire de la QCW, Jonathan Brousseau, a.k.a. Scott Matrix. Et on a aussi le propriétaire de la Real Savage Pro Wrestling, qui est dans le secteur des maritimes, Gabriel Viennot, a.k.a. Gabriel Savage. Comment ça va, les boys? Ça va très bien, vous? Yes, ça va super bien. Merci d'être avec nous. Yes, exact. On est super contents de vous avoir avec... Avec nous autres aujourd'hui, on sait là, qu'en ce moment, là, ça gosse un méchant temps. Il se passe beaucoup de choses dans la lutte, dans les maritimes, au Québec. Il y a des shows à toutes les semaines. Pour les fans, honnêtement, c'est vraiment le fun de voir à quel point, en ce moment, la lutte, elle est en santé. Puis, juste avant de débuter, merci Gab, Colin, qui avait pu prendre du temps. Puis merci aussi Joe. Tout le monde est vraiment genre super débordé là, avec vos projets, tout ça. On va commencer rapidement, dans le fond, avec Gab. Gab, dans le fond, on t'a découvert avec Lutte Academy qui s'en vient prochainement avec Jacques Rougeau. Ouais, la deuxième saison. Oui, c'est ça. Puis par la suite, ben, on a pris contact, puis tout ça, on a découvert vraiment, tu sais, un gros gorille acadien super jovial, super fin, accessible, puis tout ça. Qui ont un gros background, dans le fond. Quand on s'est mis à gratter un peu, on s'est rendu compte que Gab avait pris une corde à son arc. Là. Est-ce que tu veux parler un petit peu? Tu voulais poser des questions, je pense, à Gab. Oui, justement, Gab, j'ai eu là quelque part, ben, il y a du monde qui le savent, du monde qui ne le savent pas. Tu as une école d'arts martiaux, tu crois? Une école d'arts martiaux? D'ailleurs, oui. Tu es au studio de ton école présentement? Oui, c'est présentement là où je te suis tout de suite. Là, ouais. Okay. L'école d'arts martiaux Mitz, oui. Comment ça s'appelle? Vienno MMA. Vienno MMA, nice, okay. Nice. Puis ça fait combien de temps que tu as ça? Ça va faire 4 ans au mois de septembre prochain. Mais ça, ce projet-là, ça a commencé
dans ma petite shed, dans ma mon petit garage chez moi, puis ça n'avait pas l'ampleur que ça présentement. Ça a vraiment monté d'année en année. Puis là, présentement, je suis dans mon troisième spot, si je peux dire ça comme ça. On a commencé dans ma shed. Après ça, j'ai mouvé dans un autre local. Mais là, en allant dans ce local-là, j'ai triplé ma clientèle. Fait que j'avais place de parking pour le nombre de personnes que j'avais. Ça, c'est cool. So, là, la chitane pouvait lever un petit peu avec les voisins. Fait que là, j'ai pas eu le choix de me pogner un autre local. Puis là, je te suis tout de suite. Ben, c'est merveilleux. C'est cool. Puis là, on a su aussi que Gab partait, dans le fond, son projet de promotion, la Real Savage Pro Wrestling, où il va avoir un spectacle en septembre. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, ça, c'est un projet que j'ai décidé de me lancer dedans avec un de mes partners, un de mes amis, Jonathan Chiasson. Puis ça faisait un bout qu'on s'en parlait, mais on n'était pas encore sûr de dans quel sens qu'on voulait aller. Mais on ne voulait pas se précipiter trop vite non plus. Mais là, on dirait toutes les choses, ça a bien enligné. Puis, on enligne notre premier show le 2 septembre prochain dans le nord du Nouveau-Brunswick à Traité du Shiloh. Ah, ça va être incroyable, honnêtement. Là, la carte, là, je ne sais pas si tu as vu passer un peu, là, mais c'est incroyable. Oh, vaguement. Il y a Frankie TM, Marco Estrada, il y a Vanessa Craven aussi. Puis Gab qui attend toujours un Open Challenge. On ne sait pas trop qui va être. Tu sais, le défi est lancé, on ne sait jamais, hein? Crème, ouais, Joe, ouais. Qui est en forme, tu pourrais y aller. Qui sait, pourquoi pas? Oui, propriétaire qui se sape sa gueule. Hey, Joe, ouais. Ça travaille fort de ce temps-ci à Québec. Je te dirais, je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie, tu sais, non seulement avec le travail personnel, comme la plupart d'entre nous, tu sais, qu'on vit d'un métier, mais là, avec la lutte présentement, c'est ouf. J'ai jamais mis autant d'heures, mais en même temps, je le vois pas comme un travail. Je le vois plus comme, écoute, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puis c'est ma passion. Alors, à ce moment-là, ça change toute la donne. Je vois pas ça comme une corvée. Mais par contre, moi puis mon équipe, on met énormément d'énergie sur le projet, mais ça se passe très, très bien. Ben oui, tout à fait. C'est ça. Moi, je me souviens... qu'on s'est reparlé, dans le fond, au centre Vidéotron au mois d'août. Puis je pense que tout le monde ici autour de la table, on était tous au centre Vidéotron. Mais à cette époque-là, on ne se connaissait pas tous. C'est particulier. Puis on dirait que la lutte, en général, ça regroupe les gens. Puis c'est le fun de voir, tu sais, que chaque personne a des anecdotes, tu sais, comme Jonathan et moi, il y a beaucoup de Jonathan là, dans l'équation. Il y a Jonathan Chiasson, Jonathan Trappeau, Jonathan Brousseau. On va essayer de démêler tout ça. Moi et Ben, dans le fond, on se connaît depuis super longtemps. Ben, Jonathan, Ben et moi, on se connaît aussi beaucoup depuis très longtemps. Puis on s'est revus au centre Vidéotron. Puis là, ben nous, on avait notre fameux tailgate devant le centre Vidéotron. Oui. Et puis, ben on a parlé, dans le fond, de fil en aiguille. Jonathan, nous voir, hey, ça serait le fun, là. J'ai un projet, là. Ça mijote, là. J'aimerais ça refaire vivre, là. Quelque chose d'incroyable, là. J'ai de quoi en tête, mais là, tu sais, c'est embryonnaire pour l'instant. Puis, ben là, de fil en aiguille, on s'est parlé, on s'échange beaucoup de choses. Puis là, ben, pouf, la QCW a vu le jour après des centaines d'heures de mis là-dedans. C'est vraiment nice. Puis Gab, à la WWE, il y a une anecdote aussi incroyable. Tu sais, il nous a conté qu'il était, il a eu l'opportunité de pouvoir aller backstage. Ah oui, c'est... Dans le fond, puis... il a rencontré des lutteurs, puis tout ça, puis tu peux nous en parler un peu de l'anecdote avec le directeur, puis tout, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est, j'ai rencontré la personne qui s'occupait des talents backstage, puis à un moment donné, anyways, je visitais un tout petit peu partout, puis lui, il arrivait à moi, puis je n'avais pas parlé depuis le début de la visite, rien de ça, il arrivait à moi, puis il m'a dit en anglais, il dit, toi, t'es un lutteur. Ben, j'ai dit, je m'enligne pour ça graduellement. Tu sais, ça faisait comme déjà à peu près 7 à 8 mois j'étais dans le circuit de la lutte, mais je n'étais pas encore pleinement traîné. Fait que j'ai dit ça s'en vient, mais pas encore. Puis après ça, à tous les lutteurs qu'on rencontrait, bien, ils me pointaient et ils disaient lui, c'est un futur lutteur. Il s'enligne pour son training, il va finir ça bientôt. Il nommait mon autre lutteur, parce qu'il me l'avait demandé aussi. Puis il disait vous allez sûrement le voir bien vite, un petit peu partout. Puis il me vantait. Puis, pourtant, c'est la première fois que je rencontrais ce gars-là.
Fait que j'ai trouvé ça vraiment smart, puis vraiment comme le fun. Ça m'a comme flatté dans le bon sens du poil. Oui, c'est très, très cool, là, honnêtement. Ouais. De fil en aiguille, c'est ça. Tout s'est connecté naturellement. On s'est remis à tout se reparler, puis tout ça. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis la QCW, dans le fond, faut faire leur premier spectacle le 8 avril prochain au complexe des Deux Glaces Onco, situé sur l'avenue Taniata, à Lévis, dans le fond. Un complexe neuf, super nice, que tu connais très bien, c'est juste à côté. Et en plus, puis, c'est la veille de Pâques. Oui, c'est le week-end de Pâques. Tu sais, des fois, on s'emmerde, là, la veille de Pâques. C'est bien beau écouter les 10 commandements puis Jésus de Nazareth. Puis là, que c'est vraiment, là, si vous voulez une autre activité, là, ben, vous pouvez aller voir ça, là, monsieur Brousseau, là, le grand boss de la QCW, là, il va vous divertir avec ce... Yes. Avec sa fédération. Veux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre le 8 avril au complexe? Ben, premièrement, une chose est sûre, c'est ceux qui aiment les gros hommes, ce qu'on appelle dans notre jargon les heavyweights, vont être servis. Parce que nous, à la base, à la QCW, ce qu'on voulait faire revivre, ce qu'on voulait donner aux gens à nouveau, c'était de voir des poids lourds performer. Pourquoi? Parce que ça fait des années que peu de poids lourds performent dans la ville de Québec. On a beaucoup de petits hommes, donc que je me compte là-dedans, évidemment. Mais je veux dire, le mot « heavyweight » au Québec, pendant longtemps, était un peu dans l'ombre. Moi, j'ai décidé que je voulais ramener ça aux gens. Les gens, pour eux, dans l'imaginaire collectif, un lutteur, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Un peu comme notre ami Gabriel. Peu importe la situation, on va rencontrer Gabriel, admettons, chez Rona. On va faire « Oh, tu vas le regarder, tu vas dire « OK, cette personne-là a quelque chose de spécial. » Oui, Gabriel, c'est pas le sort de l'ordinaire. C'est ça le but. Le but, exact. C'est ça. C'est de ramener la lutte à une image où ce que les gens vont faire « OK, oh là là, lui, c'est un lutteur et lui, comme on dit, j'oserais pas sauter la clôture pour m'essayer avec. » On se comprend? C'est pour ça intéressant, tu sais, que on parle de des promotions différentes. On parle de la Real Savage Pro Wrestling. On parle de la QCW. Mais il y a quand même un certain connexion derrière tout ça parce que le visuel est important dans les deux promotions. Le look, tout le t'sais, Gab, on se le cachera pas. Là, c'est pas un gars de 5 pieds. C'est un gars qui sort de l'ordinaire. C'est un bonhomme qui look, tu sais. Charismatique. Ben oui, c'est ça, exact. Puis c'est le fun de ramener ça, tu sais. Puis en parlant de la QCW et de Gab Savage, ben on sait que récemment, la promotion QCW, tu vas en avoir plein les bras, mon Gab, avec Nova King le 8 avril. Ça risque de brasser pas mal. Est-ce que tu connaissais, dans le fond, Nova avant qu'on se rencontre? Est-ce que tu avais fait un peu de recherche? Comment ça fonctionne, dans le fond? Tu sais, quand tu es un lutteur, comment on peut se préparer à un adversaire? Tu sais, comment on... C'est sûr, je pense que j'ai su que ça allait être contre lui. J'ai été faire une couple de recherche. J'avais déjà vu, c'est des affiches, mais je savais pas vraiment qui c'était. Puis, je savais qu'il était colosse. Mais je savais pas qu'il était autant colosse que ça. Ouais, colosse, il est colosse. Oh. Fait que là, je suis comme, OK, ça va être un bon challenge. Ça va être, puis c'est un match qui m'excite vraiment. J'ai vraiment hâte d'être là le 8 avril. Oui, puis il y a vraiment une belle fébrilité autour de la promotion. Honnêtement, c'est bien stagé puis tout. Puis on a vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l'air le 8 avril. Tous les combats, là, tout a été bien pensé. On pense, mettons... Jay-Z, Michael Black, on a parlé de Savage contre Kane. Il va avoir la semaine dernière, c'était la journée de la femme. On a annoncé dans le fond Mélanie Havoc contre Jessica Black qui récemment, Jessica Black était où déjà, Jessica? Elle a travaillé pour quelle promotion? Ah, la IW, bien sûr. Ben oui. Yes. Et puis, elle revient de quelle? Nightmare Factory de Cody Rhodes et de QT Marshall. Yes, exactement. Et puis, je pense que ça va brasser beaucoup. Puis, en parlant de brasser, on a un vétéran aussi
En fait, c'est deux vétérans. Ouais. C'est Jake Matthews puis Chase Arensal. On avait interviewé il y a à peu près 2-3 mois. Là. Oui, oui. D'ailleurs, on vous invite à aller sur notre page YouTube où on a une entrevue avec Chase. Super intéressante, là, qui nous a appris un paquet de choses, dont l'apnée du sommeil. Puis c'était vraiment c'était super, super intéressant. Et puis, là, on sait, Jonathan est promoteur, mais il a été aussi lutteur. Puis là, on sait que Jonathan va faire, et qui est Spot Matrix, va faire son grand retour. Et puis, tu vas avoir les bras bien remplis. Là, on parle de Sexy Eddie. Puis toi, comment tu peux te préparer, dans le fond, à un combat comme celui-là? C'est un de tes plus grands challenges antérieurs, honnêtement, là. Ben oui, parce qu'écoute, premièrement, Sexy Eddie, il a fait pratiquement le tour du monde. Tu sais, je veux dire, c'est un des premiers au milieu des années 2000 qui a franchi à nouveau les lignes américaines. Je veux dire, c'est lui qui a remis les Québécois, comme on dit, sur la map. Comment est-ce qu'on se prépare à ça? Ben écoute, moi, ça fait 8 ans que je suis inactif. Tu comprends que je n'ai pas performé dans la reine. Fait que c'est sûr que c'est un gros défi. Mais tu sais, je veux dire, beaucoup d'entraînement. Présentement, je n'ai jamais été aussi en forme. Je n'ai jamais été physiquement aussi en shape. Je m'arrange du mieux que je peux pour donner le meilleur de moi-même. Évidemment, je vais être honnête, je ne peux pas dire que je ne suis pas stressé parce que ça serait vous mentir, évidemment. Tu sais, je veux dire, la pression est forte. Les gens attendent beaucoup parce que ceux dans le passé qui me connaissent savent que j'ai toujours été un gars passionné qui a toujours donné un spectacle au-delà de leurs attentes. Mais par contre, je suis excité puis je suis fébrile à l'idée de rencontrer Sexy Eddie, surtout que ça va être une première fois. Le gars, ça fait très longtemps que je le connais, mais ça va être la première fois avec lui que je vais être dans la reine. Bref, j'ai vraiment hâte. Oui, puis on a appris récemment aussi que Sexy Eddie allait affronter Matt Cardona à Toronto. Oui, oui, oui. C'est quand même, puis c'est juste un petit peu avant ton combat. Là. Fait que tu sais, ça risque, honnêtement, ça risque d'être vraiment fort intéressant. Et puis, c'est ça. La QCW, dans le fond, va présenter leur premier show. Puis là, tu parlais de stress, mais tu sais, j'imagine que maintenant, tu sais, c'est non seulement du stress de combat, mais là, ça va être un stress un peu différent. Puis je vous pose la question à vous deux, tu sais, comment vous vous sentez, tu sais, Jonathan, à la veille du 8 avril, parce que c'est d'ici dans quelques semaines, mais Gab aussi, tu sais, ton show, mine de rien, ça arrive assez vite. Pis... 6 mois, c'est vite passé. Oui, oui, tout à fait. Comment vous vous sentez derrière tout ça? Ben, Gab, si tu veux commencer. je te dirais, moi, c'est ça. Présentement, ça ne me stresse pas vraiment. Je suis à la vente, des billets vont vraiment bien. Le plus gros stress, c'était vraiment le booking. Parce que moi, je m'occupais d'une partie du booking. Mon partner s'occupait de l'autre partie du booking. C'était vraiment juste faire sûr que tout fonctionnait. Mais aussi, moi, au début, quand j'ai annoncé le show était supposé être le 16 septembre. Ouais, ouais. Mais on avait tout booké les lutteurs pour le 16 septembre, tout allait bien. Mais comme dans n'importe quelle situation, des fois, il y a quelque chose qui peut arriver vite. La personne s'occupait du centre, elle a dit que je vais faire le show, m'a contacté, puis elle m'a dit « Je suis vraiment désolé. » Elle a dit « La date que je t'ai donnée, le 16, il y a un mariage déjà ce jour-là. » Puis il y a déjà un dépôt qui a été donné. Fait que ça, là, veux pas. Moi, en plus, là, je commence juste dans la promotion. J'ai fait comme « Oh shit, OK, il faut que je contacte tous mes lutteurs pour savoir, faire sûr, comme si je peux les booker pour une autre date. » Puis le plus compliqué, c'était booker Marco Estrada. Je te dis, Marco, il bookait à l'année longue. Wow. Fait que là, c'était vraiment juste savoir si je pouvais l'avoir pour le 2. Mais un coup, j'ai pu tout enligner ça, puis on a mis les billets en vente, puis j'ai vu que l'intérêt était là. Je te dirais que oui, je vais être stressé proche de l'événement, comme n'importe quoi. Mm-hmm. Mais je suis vraiment confiant que ça va être un succès, puis on va avoir du fun, c'est ça l'important. Puis toi, Jonathan? Ben moi, je te dirais que là, présentement, à pratiquement moins de 3 semaines de l'événement, c'est sûr que je suis un petit peu stressé, mais par contre, j'ai tellement de bonne équipe derrière moi, j'ai tellement des gens qui sont passionnés, j'ai tellement des gens d'expérience qui m'ont donné un coup de main extraordinaire depuis le début que je me dis que ça ne peut pas ne pas réussir. Tu sais, je veux dire, la vente de billets se passe super bien. On est allé chercher les meilleurs talents des 4 coins du Québec jusqu'au Maritime. Tu sais, je veux dire, on est allé chercher, comme on dit, la crème de la crème. On veut offrir un spectacle que les gens ne seront pas prêts d'oublier.
c'est sûr que, encore une fois, c'est un peu comme l'attente des spectateurs, parce que là, on comprend que présentement, on a ce qu'on appelle un hype assez important au niveau des médias sociaux. Ça se parle beaucoup. Alors, c'est sûr que les gens vont s'attendre à ce que ce soit un spectacle de qualité. Exact. Et c'est ce qu'on a l'intention de leur donner. Je veux dire, le fait d'avoir des gens d'expérience, le fait d'avoir des gens qui ont trempé dans la business depuis tellement longtemps, c'est des atouts. Puis je pense que cette combinaison-là fait en sorte que ça ne peut ne pas réussir. Là. Mais je suis vraiment très confiant qu'on va donner un spectacle que les gens vont aimer, ça c'est sûr. Yes. Et puis, tu voulais parler un petit peu du passé, toi. Tu voulais leur poser quelques questions, tout ça. Ouais, ben c'est ça. Je veux dire, à repartir à la QCW, Jo, t'as décidé ça. Dans le fond, toi, t'as fait carrière, c'est ça. Quand t'étais pro, t'as fait carrière dans la lutte au Québec. Puis, dans le fond, tu voulais, comme c'était marqué dans l'article de journal que j'ai lu récemment, tu voulais faire ça, mais à tes propres couleurs, comme si on veut. Oui, ben c'est ça, mais c'est parce que dans le fond, la QCW, comme certaines personnes sont au courant, c'est un projet qui est parti il y a très longtemps, mais c'est un projet qui n'a jamais vraiment été concrétisé. Tu comprends? Tu sais, je veux dire, c'était à l'époque où ce que la lutte était pas mal dans l'ombre. Tu sais, je veux dire, c'était un tout petit marché. Maintenant, en 2023, on se comprend que la lutte présentement dans la province de Québec est extrêmement en santé. Toutes les promotions arrivent à bien fonctionner. Puis moi, je me disais que dans la vie, tout est une question de timing. Puis je me suis dit que le timing était bon pour faire renaître la QCW, mais cette fois-ci, à une échelle vraiment haute. Mettre la barre très haut et mettre le projet au niveau professionnel. Je voulais que la QCW soit à l'échelle professionnelle. La formule va être différente, autrement dit. Ah, c'est sûr, tout à fait. Écoute, aujourd'hui, c'est complètement différent avec les lutteurs qu'on est allé chercher. On est allé chercher beaucoup de vétérans. Les vétérans sont toujours une source d'inspiration. Puis ce sont des gens qui ont tellement vécu longtemps la lutte que pour eux, ça fait partie de leur ADN. Pour eux, c'est naturel. Tu sais. Puis c'est une bonne moyen de donner un coup de pouce aussi aux nouveaux qui arrivent dans le business. Oui. La meilleure façon d'apprendre, c'est les vétérans. Moi, je me souviens, écoute, j'avais 17 ans. J'étais à la CCW dans le temps. On remonte il y a très longtemps. Puis j'avais Jake Matthews, qui avait pratiquement mon âge à cette époque-là, qui me disait, tu sais, il me donnait déjà des advice, tu sais. Il disait, oh, tu vas voir dans tant d'années, tu vas voir comment est-ce que ça va changer, puis tout ça. Puis écoute, aujourd'hui, moi, je suis rendu où ce que lui était il y a une vingtaine d'années, puis tu sais, je comprends maintenant ce qu'il voulait dire, là. Oui, puis juste revenons au projet de la QCW. Dans le fond, on a parlé qu'on avait des talents incroyables, puis on n'en a pas parlé, mais je veux vraiment ouvrir la parenthèse. En fin de semaine, on a annoncé notre main event, puis ça risque de vraiment brasser, honnêtement. Wow. C'est le géant de 6 pieds 9 pouces, 350 livres, Darko, qui va affronter Dom Boulanger. Ça risque d'être fort intéressant comme combat. Fait que suivez les actualités, honnêtement, ça risque de brasser pas mal. Là, je sais que Gab s'entraîne fort là, de ce temps-ci. Là, on le suit beaucoup, là, ses médias sociaux. On sait, t'as battu Benjamin Toll récemment. Félicitations, man. J'espère, Colin, que tu vas être dans les Most Improved ou les Rookie of the Year ou tout ça. Tu le mérites tellement. Je sais que tu travailles fort de ce temps-ci. Fait que you deserve it, comme on dit. Vas-y, mon ami. Ah, je voulais savoir, Gabriel, tu sais, t'as une école d'arts martiaux, comme tu as parlé tantôt, mais t'as-tu une école de lutte aussi ou t'as pas encore ton école de lutte pour la fédération? Non, j'ai pas d'école de lutte pour ma fédération. Présentement, on se concentre vraiment juste pour faire des shows, mais je te dirais que dans le futur, ça pourrait être une option. Présentement, c'est pour ça que j'essaie d'avoir le plus de booking possible, lutter le plus pour avoir le plus d'expérience de semaine en semaine. Puis éventuellement, dans le futur, c'est de quoi j'aimerais avoir aussi une école de lutte. Comment est ton produit, je comprends. Ben, Krim, je pense qu'on a fait pas mal le tour, honnêtement. Ça s'est fait short and sweet, mais Krim, déjà 25 minutes, ça va tellement vite, c'est malade. Hein? Dans le fond, là, comme à chaque fin d'émission, OK,
Ben, a.k.a. Nastradaben, dans le fond, prédit le futur de nos invités. Ah, dans ma boule de cristal, il faut que je précise qu'est-ce qui se passe. Tout d'abord, messieurs, merci beaucoup pour l'entretien. Ça a été grandiose, une expérience de vous connaître. Ben, Joe, on se connaissait déjà. Gabriel, c'est la première fois que je te vois. Bien content de t'avoir connu. Mais dans le fond, à tous les deux, je vous prédis, toi, Gabriel, je prédis que ta Fed, ça soit. T'as eu bien du succès dans ta Fed, dans le fond. La Great Savage Pro Wrestling. Real Savage, c'est ça, la Real Savage. C'est la RSPW. La Real Savage Pro Wrestling. Ouais, c'est ça. Parfait. Puis toi, Joe, comme tu as dit, la vente de billets, elle s'annonce bien. Ben, je te prédis une sale comble. Oui, ben, c'est l'objectif. C'est ce qui doit arriver. Ah, c'est le prophète qui parle, puis je te dis que tu vas en avoir une salle pleine. Yes, puis dépêchez-vous d'ailleurs, là, il reste, tu sais, j'ai un spoiler pour vous, mais il reste vraiment pas beaucoup de billets. Autant pour la QCW, vous allez sur le site du point de vente, vous tapez QCW, il reste vraiment pas de billets. Si vous voulez pas vous cogner le nez, honnêtement, à l'événement, de toute façon, vous pourrez suivre tout le monde, autant la Real Savage que la QCW, sur les médias sociaux. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis honnêtement, c'est vraiment nice que vous ayez pu prendre quelques minutes avec nous. Puis si vous avez des choses à plugger, ben let's go les boys, c'est le temps. Là, le micro est à vous. Gabriel? Manquez pas les shows qui s'en viennent. Je vais être en action pour les 7 prochains mois, pratiquement tous les fins de semaine. Puis venez voir le show du 8 avril si vous êtes dans le coin de Lévis, parce que ça va valoir la peine. Ça va brasser, ça c'est garanti. OK. Tout à fait. Puis un petit spoiler pour toi, Gabriel. Écoute, on a renforcé le ring pour toi et Nova King parce qu'on s'attend évidemment que ça va être, écoute, un earthquake, un énorme tremblement de terre, ça va brasser. Pour les gens qui veulent voir des V-Wade, qui veulent voir des gens colorés, qui veulent voir un spectacle de qualité, le samedi, le 8 avril, complexe des deux glaces Onco à compter 19h, c'est l'événement à pas de manquer. Nos billets sont en vente sur le point de vente, sinon sur la page Facebook QCW Wrestling. Yes! Alors, c'est ici que se termine notre émission spéciale sur la lutte québécoise qu'on n'a pas souvent exploré un peu. Puis, tu sais, le fait qu'on était partenaire médiatique, tout ça, on essaie de donner un coup de main à tout le monde. Puis là, Gab, c'est une super de belle opportunité, une belle vitrine pour toi, tu sais, pouvoir faire parler de toi, mais aussi de ta nouvelle promotion. Fait qu'on vous embrasse les boys. Un gros merci d'avoir pris quelques minutes avec nous autres. Merci beaucoup à vous. Yes, c'est que se termine notre émission spéciale sur la lutte QCW et la Real Savage Pro Wrestling, donc la lutte québécoise. Mon nom était Jonathan Drapeau, je suis avec mon ami d'enfance, Nastradaben. Merci, mon Ben. Ça fait plaisir, Joe. Yes. Alors, au revoir, les amis. Au revoir.